préparer la pizza aux champignons et on va préparer aussi la soupe de champignons. Pour la pizza, on va faire là-dedans du persil, des poivrons jaunes, rouges et verts. Très bien. On aura besoin aussi des champignons en conserve et des champignons qui sont frais. On a découpé les champignons frais comme vous voyez là. Et on a besoin aussi de la sauce. Comment elle est? La sauce tomate. Très bien, bravo. Et encore des olives découpées en rondelles. Et pour la soupe, on aura besoin du fromage râpé, du lait, de la crème fraîche, des poireaux et de l'ail et du oignon qui sont bien râpés.